新たな英雄譚の始まりとなる。5対5のサッカーバトル、フリースタイルで遊べる新たな試合システム、テレビ画面、携帯モード、指やタッチペン、縦向き、横向き、攻撃方向、あらゆるスタイルに対応。クイックアクションの設定でセンタリングなどのサッカーテクを簡単に繰り出せる。よりサッカーらしいプレイが可能となったことで、さらに超次元サッカーが進化する。クロニクルモード、これまでのシリーズに登場した全ての選手が登場。Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur Inazuma Eleven Victory Road. Et oui, les informations sont tombées concernant la date de sortie, les modifications qui ont eu lieu entre temps depuis le dernier patch, on va appeler ça comme ça, les dernières news qui dataient de fin été 2022. Et là, on a un nouveau trailer. Il y a eu un live de Level 5 qui ont présenté leur roster de jeux qui compte sortir en 2023-2024. Et c'est tombé. Il va sortir en version globale. Il va sortir sur PC. Non, excusez-moi. C'est l'émotion qui parle. Il sortira sur iOS, Android, PS4 et Nintendo Switch. Ça sera un putain de banger. Du coup, a priori, on va jouer bien sûr via émulateur. Et voilà, bref. Ça va rassembler tous les Inazuma, comme vous l'avez vu. Go, Inazuma Eleven Basic, Go, Striker et les 2-3 autres qui sont sortis juste après. Et vraiment, le jeu va être un putain de banger. Bien sûr, on va y jouer. Bien sûr, a priori, de ce que j'ai pu lire ici, le jeu sera un jeu de gacha, un jeu de collection et un jeu de RPG, comme vous l'avez vu dans le trailer. Alors là, le prix, ils n'ont pas encore décidé s'il y aura des microtransactions, enfin, si on achètera le jeu ou si ça sera... un jeu free-to-play. C'est pas encore décidé, mais a priori, c'est un jeu de collection. Ça devrait être un jeu free-to-play. Surtout si c'est dispo sur iOS et Android. Et au vu de la communauté globale étrangère en dehors du Japon, normalement, le jeu devrait être free-to-play. On va aller voir un deuxième truc vraiment incroyable, les amis. Ce passage est édité et animé par MAPPA. C'est incroyable. Let's go. C'est beau ou c'est pas beau? C'est beau, ben oui, la hype est présente. Et d'ailleurs, pour terminer la vidéo, la plus grosse information concernant ce jeu va être publiée
cet été. On n'a pas de date plus précise, mais ça sera entre début et fin été. Et on verra ce que ça va donner. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera sur le jeu et pourquoi pas en été pour une nouvelle vidéo information sur le jeu. Et je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace!